بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساهرون به والأرهم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يَسْلِحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله الحمد لله on se Pour le cours numéro 6 du guide complet pour le nouveau musulman. Donc, Inch'Allah, je vais essayer d'être plus régulier dans la diffusion des cours. Inch'Allah. Mais, j'ai remarqué une, une chose qui a son importance ou pas. Puisqu'on propage pour la face d'Allah. Et ça touche qui ça doit toucher. Mais j'ai remarqué qu'en mettant moins de cours. En mettant moins de cours, c'est-à-dire en termes de... De, de de temps, c'est-à-dire euh, euh, le temps que je poste un cours et puis ensuite le temps passé pour que j'en reposte un. Quand c'est plus large, quand c'est plus long, ben il y a plus de vues. On cherche pas les vues sur les cours, mais il y a plus de vues sur le cours, c'est-à-dire que globalement les gens se sont plus penchés sur ce que j'ai proposé. C'est euh, voilà, c'est le principe de, euh, de du trop grand nombre d'offres. Vous savez, quand on propulse trop de choses sur la chaîne. Ben les gens peut-être qui cliquent pas sur les, les choses, ou ils cliquent euh, euh, un peu par-ci, un peu par-là, si je mets euh, 4, 5, 6 audios par semaine comme j'ai pu faire une fois il euh, y a des gens qui chaque audio vont être présents à mais d'autres passent à côté d'énormément de cours parce que bah ça va trop vite en fait et n'ont pas le temps et j'ai pu remarquer que en mettant un cours par semaine ou toutes les deux semaines et eh bien euh, les gens s'attardaient parce qu'il y a que ça en fait il y a que ça comme on dit il y a que ça à manger <laughs> il y a que ça à proposer il y a que ça à manger donc mais ils s'attardent sur ce qui est proposé que ça que ça c'est déjà ça mais voilà et du coup euh, je me dis peut-être que les gens eh ben euh, se pencheront de manière plus, plus sérieuse ou plus profonde, en tout cas, sur les cours, s'il y en a moins. Donc ça, c'est ce que j'ai pensé dans un premier temps. Puis d'autre côté, je me suis dit, mais ben non, il faut propager, propager, propager. Et on n'attend pas les, euh, les gens. En fait, on n'attend pas les gens. Il y a des gens qui, euh, hamdoulilah, seraient prêts à suivre un cours par jour. Donc, euh, ne serait-ce que pour eux, je me dis, il faudrait que je, je republie de manière plus, plus fréquente. Et je pense que je vais pencher vers ça. Mais c'est pour ça que ces temps-ci, je publiais moins. Pour laisser le temps aux gens, en fait, ben d'accéder aux cours et de le digérer, etc. Et j'ai vu qu'il y avait voilà plus de plus de vues, même si encore une fois on le répète, on s'en fiche complètement et des abonnés, et des vues. Mais euh, voilà, je me dis qu'au moins euh, c'était plus visible et donc euh, peut-être plus à plus apprécié. Je ne sais pas. wallahu Quoi qu'il en soit, je pense diffuser euh, des cours de manière un peu plus un peu plus fréquente maintenant. Je me suis réorganisé et voilà. Donc on reprend le cours 6 de ce livre, comme je disais, après cette introduction. Au chapitre 7, hein. on avait expliqué les, les piliers de l'islam en résumé. On va voir maintenant les piliers de l'hymen. Les piliers de la foi. Pareil en résumé. Les piliers de la foi, donc la foi c'est l'hymen, ils sont de 6. 6 piliers. La croyance en Allah la croyance en Allah, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, ouais, la croyance en ses messagers, la croyance au jour dernier, yom al et la croyance au décret divin, au destin, al-qadar. OK Donc six piliers. La preuve de cela puisqu'il y a toujours un dalil sur chaque chose qu'on dit en islam, la preuve c'est le hadith de Jibril, alayhi salam. Dans ce hadith, l'ange Jibril, il est venu sous la forme d'un homme. Et elle questionna le prophète Mohammed sur la religion. Dans le but d'enseigner aux gens. Donc je fais une parenthèse déjà sur cette chose-là, cette information-là, qui n'est pas mentionnée ici mais qui est bon de le rappeler. C'est une méthodologie dans l'enseignement. Hein Pas questionner pour mettre mal à l'aise les gens. Pas questionner pour faire la fitna. Comme certains étudiants ou pseudo-étudiants, frères salafi, ou pseudo salafi <laughs> Ah, chacun euh, chacun de voir comme il veut font pas comme ces gens là font c'est à dire que parfois ils ont une connaissance d'une chose mais ils veulent mettre mal à l'aise le chir ah, en jouant sur des divergences ou en tordant les questions les propos etc ou une personne qui a moins de science n'est pas un chir ils vont l'interroger un étudiant qui fait son cours ils viennent pas pour quérir du ham ils viennent pour mettre mal à l'aise la personne qui prêche ça c'est haram ça c'est un comportement de fête quelqu'un qui est saint d'esprit ne fait pas cette chose là D'accord On vient pas ici demander à une personne une chose dans le but de le mettre mal à l'aise, dans le but de faire la fitna, euh, le trouble, etc., les polémiques. Non. Quand on dit qu'il est permis, et que c'est une bonne méthodologie, on le voit ici, la preuve est dans le, le hadith, de questionner pour enseigner, c'est justement dans, dans le cas où on est professeur, on est dahi, On a la réponse sur ce sujet. Djibril, lorsqu'il est venu demander sous la forme d'un homme au prophète, sallallahu alaihi wa et qui lui a dit... Informe-moi à propos de l'hymen, informe-moi à propos de la foi, d'accord Et le prophète sallallahu alayhi wa de lui répondre, cela consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et de croire à la prédestination qu'il y ait du bien à l'intérieur ou du mal. C'est rapporté en sahir de musulmans. ok Eh bien, Jibril avait ces informations-là. Il est venu ici questionner pour enseigner afin que c'est parce que le prophète aussi avait la réponse afin que ses compagnons puissent bénéficier de cela. Donc on apprend ici qu'il est permis de questionner pour enseigner. Dans un cours, on peut dire à quelqu'un tiens, parle-moi de ça, explique-moi ceci, explique-moi cela même si tu as la réponse. Par exemple, un époux qui est réenseigné à sa femme alors, il peut lui enseigner de manière scolaire, comme on fait là. Alors, point numéro 1, point numéro 2, etc. Et puis, l'épouse, elle prend note ou elle, elle mémorise. Mais elle peut aussi lui dire, tiens, parle-moi, qu'est-ce que tu connais euh, Un exemple comme ça. Qu'est-ce que tu connais euh, de la voix soufie Comment pourrais-tu réfuter la voix soufie Que connais-tu de la voix soufie Un exemple, hein, comme ça. Ou que, que connais-tu euh, des ablutions et de salat, Cite-moi les piliers, etc., les, les conditions et tout. Voilà. Donc, on peut questionner... Une, une personne dans le but d'enseigner aux gens surtout même parfois s'il y a des gens aussi qui sont autour c'est une méthodologie euh, ici saine dans ce but là bien évidemment pas euh, dans le but d'écraser les gens ou de faire la fitna. donc il lui a demandé bah, informe-moi au sujet de l'hymen, et le prophète lui a répondu que la foi la foi c'est de croire en allah en ses anges en ses livres en ses messagers yom al qiyama au jour dernier et au qadar au qadar qu'il y ait euh, des choses qui soient faciles à accepter pour Nefs, ou des choses qui soient plus difficiles. Il ne faut pas dire, comme je l'avais dit dans un autre cours, qu'il y a du mal en vérité, même si c'est traduit comme ça en français, qu'il y ait du mal à proprement dit dans Qadar. Il n'y a pas de mal dans ce qu'Allah te prédestine. Il y a simplement des choses qui sont plus douces que d'autres à accepter pour Nefs. De manière globale et générale, on dit que tout ce qu'Allah prédestine, c'est bon pour le musulman en réalité. Voilà. On dit souvent, quand on, on le traduit en français, et de croire au, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Mais on peut pas dire qu'il y a un mauvais euh, destin dans ce qu'Allah nous donne. Bien évidemment, la personne, elle doit tendre vers la guider, chercher la face d'Allah l'azogel pour avoir du rire. Bien évidemment, une personne qui s'écarterait de la religion et donc d'Allah ne trouverait pas du bien. Mais c'est pour dire que de manière générale, on va dire plutôt, euh, croire au destin, si on pourrait vraiment rentrer dans le sens profond, c'est croire au destin, qu'il y ait des choses. Facile à accepter pour Nefs ou bien qu'il y ait des épreuves. Voilà, des afflictions. C'est ça. Eh bien, il faut y croire. Parce que c'est facile de croire au destin. C'est le destin, comme, Alhamdoulilah, oh, je me suis marié, j'ai eu des enfants, Alhamdoulilah, j'ai ma subsistance. C'est le destin. Mais c'est le destin aussi quand il y a des accidents, quand il y a des deuils, quand il y a des épreuves, quand il y a des maladies, quand il y a des pertes d'argent, quand il y a des, 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 des injustices subies. C'est le destin aussi. Le destin, c'est pas que les choses simples à accepter. C'est aussi les épreuves. Donc, c'est ça, la foi. La foi, si on te demande, qu'est-ce que la foi? Et à la fois, tu dis, elle comporte cinq piliers. Je crois en Allah. Je crois en ses anges. Sans les dénombrer. On va l'expliquer, sans les dénombrer. Ils sont beaucoup trop nombreux pour être dénombrés. Et seul notre Seigneur, wa on connaît le nombre de ses soldats. Donc, les anges, il y en a. Croire en Allah, croire en ses anges. Donc, ces livres, c'est pareil. Oui, nous suivons le Qur'an al-Karim. C'est notre livre. C'est le dernier livre révélé. Mais nous croyons, euh, au fait qu'il y a eu des livres révélés avant à d'autres prophètes. Et d'ailleurs, ça va être le prochain, plan de, le prochain point pardon, de croyance, croire en ces messagers. De la même manière que nous croyons aux livres révélés, aux prophètes messagers, nous croyons aussi aux messagers. Voilà. Sans distinction. Mais nous suivons Mohamed ibn Abdillah, sallallahu wa sallam. Nous devons suivre uniquement Mohammed sallallahu wa c'est. Est ce qui ressort de l'attestation Ash'hadu an la ilaha deuxième partie wa ash'hadu anna donc nous suivons dans la législation le prophète Mohammed sallallahu wa mais nous croyons qu'il y a eu aussi des messagers avant nous les respectons nous les aimons et nous affirmons euh, leur, non seulement leur existence mais aussi leur prophétie quand ça nous est mentionné et puis on affirme de manière générale qu'il y a peut-être eu aussi d'autres prophètes etc. qui n'ont pas été mentionnés on croit de manière globale aux livres et aux messagers on ne renie pas nous Hein, tout ce qui a été mentionné dans les textes on ne le renie pas à la différence des gens qui se prétendent croyants dans d'autres dites religions mais qui renient le Coran ou qui renient Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. ils n'ont pas donc la foi le jour dernier également le cinquième point le Jour dernier al cest c'est-à-dire la résurrection la résurrection est donc le jugement et donc l'entrée au paradis ou en enfer ça fait partie de ce point de croyance et croire à la prédestination donc le, le qadar le destin qu'il y ait du bien à l'intérieur ou, ou un mal apparent, comme je viens de, de l'expliquer. Une personne qui se dit musulmane et qui a un défaut dans, dans ces choses-là ne peut pas se prétendre euh, d'être de la foi. La foi, c'est je crois en Allah, je crois en tous les anges, tous les livres, tous les messagers. Je crois au jour dernier. Et jour dernier, c'est global, hein c'est-à-dire je crois la mort, la tombe, la résurrection, le rassemblement, le jugement, l'entrée au paradis ou en enfer. Je crois à tout ça et je crois aussi au qadar. Et sur ce point de Qadar, de destin, il faudrait faire plus de cours et plus d'explications, tant on voit des musulmans qui se, qui se renfrognent en vérité et qui ne comprennent pas parfois les sagesses dans les épreuves et dans la prédestination, et qui donc ont une faille dans, dans, dans leur foi, en vérité, dans leur foi dans ce point de croyance. Voilà pour ces six points, inshallah Wallahu A'lem. Le premier point, expliquer donc la croyance en Allah. La croyance en Allah, Ta ça coule de source, comme on pourrait dire, tu es musulman, tu crois en Allah. Et qu'est-ce que c'est? La croyance en Allah, c'est la fondation de toute croyance obligatoire à tout à chacun. Quiconque ne croit pas en Allah ne peut pas croire au reste des piliers de l'hymen. Ça n'aura aucun sens, hein C'est la base. Tu peux pas dire il y a des anges, des livres. Le jour dernier, le radar, les messagers. Si, si quoi, si tu ne crois pas en Allah. Évidemment. Donc, c'est pour cela que la croyance aux anges, aux livres, aux messagers a été attribuée à Allah. On a mentionné ces anges, ces livres, ces messagers. C'est relié au Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, la croyance en Allah consiste donc à croire, euh, tout d'abord, en son existence. Allah, il existe. Alors, il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui croient en cela. Qui croient, comme ils disent, en Dieu. Dieu unique. Est-ce que ça suffit pour être musulman, musulman, c'est-à-dire soumis croyant? Là, on l'a déjà expliqué. Admettre l'existence d'un créateur, d'un Dieu unique, n'est pas suffisant. Puisque, comme on l'a expliqué dans les cours précédents sur les, les différentes formes de théories, il faut aussi l'adorer. Reconnaître Allah dans sa Seigneurie, rububiyya est une chose, mais il faut aussi reconnaître le théorie de l'adoration, l'Uluhiya, et donc se soumettre à lui, Subhanahu wa Ta'ala. C'est clair? Mais en premier lieu, la croyance en Allah, effectivement, c'est croire en son existence. Et qu'il est celui qui fait exister toute chose. Il est le premier, et il n'y a rien avant lui. Il n'y a jamais rien eu avant Allah. Et il est le dernier, il n'y aura rien après lui. D'accord, puisque c'est le créateur et que tout le reste est création. La croyance en Allah donc consiste également à croire à sa la seigneurie, aussi l'Uluhiyah qu'il est le seul qui mérite l'adoration et de croire au Tawhid, la sifat comme on l'a expliqué précédemment, ses noms et attributs les plus beaux, les plus élevés. C'est soit croire en Allah. Donc quand des gens prétendent à la foi aujourd'hui, mais ne sont pas sur la sunna et sont dans des sectes, euh, la soufia ou des choses comme ça, qui dévient en vérité dans la oulouhiya ou dans des aussi faites comme d'autres innovateurs, ils ont un problème dans leur foi. Ils, ils disent je crois en Allah, je crois en Allah au jour dernier. Quand on voit innovateurs, parfois, ils aiment mettre le hadith en avant. Celui qui croit en Allah au jour, au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est facile de mettre ça quand ils sont réfutés, c'est en général comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont réfutés, ils sont attaqués parce qu'ils raconte des idées dans la religion et, euh, et là il, il sort les hadith c'est le Joker le veto t'as pas le droit de parler celui qui croit en Allah au jour dernier qui dise du bien ou qui se taise t'as pas le droit de m'attaquer t'as pas le droit de me critiquer je fais ce que je veux mais oui mais crois en Allah au jour dernier déjà toi-même tu crois pas en Allah comment ça il va dire je ne crois pas en Allah mais non dans l'ululuhia tu dévis. dans l'asma wa tu dévis. donc t'as pas une croyance saine en Allah croire en Allah c'est pas juste dire il existe ou reconnaître sa roboubie à sa seigneurie croire en Allah c'est se soumettre aux trois types de théories qu'on a susmentionnés, Hein? ou hiya, ou aussi C'est obligatoire. C'est donc obligatoire pour avoir une croyance complète en Allah. What? Deuxième point, la croyance en ses anges. Les malaïka. Cela consiste à croire que les anges sont une création. C'est une création qu'Allah a créé de lumière. Les anges sont faits de lumière. D'accord? Je sais pas si c'est mentionné ici. Non, c'est pas mentionné. Je le mentionne parce que je le vois circuler parfois, notamment sur Internet, et euh, donc forcément, en continuité, Internet n'est qu'une n'est qu'une branche chez les gens. Dans euh, des croyances fausses mais populaires, il est dit que Shaitan était un ange et qu'ensuite il aurait donc euh, voilà euh, dévié et, euh, et ensuite euh, aurait été maudit. C'est faux. Shaitan, Iblis est de la race des djinns. Et non des anges. Il n'est pas fait de lumière, mais de feu. C'est clair? Et ça, c'est de la aqidah, les frères et sœurs. C'est grave de dévier dans la aqidah. C'est grave d'avoir des péchés autres. Mais c'est grave déjà d'avoir une mauvaise croyance. S'il y a une mauvaise croyance, tu ne peux pas bâtir quelque chose. Quoi que ce soit. Ta croyance est bordel. Donc déjà, tu pars très mal. Donc c'est important. Et si vous, vous le saviez, cette chose-là, alhamdulillah, propagez-le autour de vous. Ce n'est peut-être qu'un détail, mais ça a son importance. Shaitan n'a jamais été un ange et n'est pas fait de lumière. Il est plutôt fait de feu et c'est un djinn. Les enjeux ont été créés de lumière. Ils ont des ailes. Certains en ont deux, d'autres trois ou quatre. Il a été rapporté que Djibril, il a pas moins de 600 ailes. Wallahu Maintenant aussi sur la représentation des anges. Il est strictement et formellement interdit haram de représenter le raïb. Le raïb, c'est l'invisible. Allah bien évidemment. Le paradis, l'enfer, les anges, quoi que ce soit, quoi que ce soit qui a trait à l'invisible, il nous est interdit de le représenter puisqu'on n'a aucune science à ce sujet. Comme s'étonner chez Mohamed, comment toi tu oses représenter quelque chose sur laquelle tu n'as pas la moindre science? Tu sais tu as déjà vu un ange, toi tu sais comment il est? Oui mais on nous rapporte qu'ils ont des ailes. Nam. <laughs> Et comment sont leurs ailes? Ce n'est pas les ailes comme nous on l'imagine. Vous savez, quand il, dessinent dessine un ange, il met une auréole au-dessus de la tête, et puis il met des grandes ailes euh, plumées comme ça, euh, blanches, euh, immenses. C'est pas ça. <laughs> C'est pas ça. Allah <laughs> Alim, comment sont les ailes des anges? C'est un peu comme quand on explique les noms et attributs d'Allah. Allah, il a la colère. Allah, il descend. Allah, ceci, Allah, cela. Allah, il est orgueilleux. Allah, il est miséricordieux. Mais tout ça, tu ne peux pas l'expliquer de manière humaine, rationnelle. Ça dépasse l'entendement, ça transcende tout, puisque ça a trait au Raib et aussi à l'essence même de notre créateur, Subhanahu wa Ta'ala. D'accord Donc, on affirme au niveau du nom, on dit qu'Allah il se met en colère, on dit qu'Allah il descend, on dit d'autres choses, on dit qu'Allah il a une main, hein On dit qu'Allah il a des yeux, mais on ne peut pas ni demander le comment, ni commencer à interpréter ou à déformer le sens. Et pas ben, de la même manière avec les anges. On affirme. Qu'il y a des anges, on y croit, et ils sont faits de lumière, on s'arrête au texte. Nous sommes littéralistes, nous les gens de la Sunna. On affirme donc qu'ils ont des ailes, que certains effectivement en ont deux, trois ou quatre, et que Djibril aurait pas moins de 600 ailes. Hein? Et on s'arrête ici. On ne représente pas, on ne dit pas qu'ils sont comme ci ou comme ça. On s'arrête sur notre texte. Voilà. En ce qui concerne le c'est... on affirme. On affirme et on ne va pas plus loin. Parce que je, on voit beaucoup de représentations de nos jours. Sur plein de choses qui ont attrait à l'invisible, et ça c'est grave, c'est haram. Moi-même, je poursuis, les anges sont très nombreux, mais nul ne connaît leur nombre à part Allah, comme je vous l'ai dit précédemment. Des milliards, des milliards, des, des, des milliards de milliards. Allah, C'est rapporté qu'il y en a à chaque recoin du ciel. Chaque recoin. Imaginez l'immensité. Et que, aussi lorsqu'il pleut, chaque goutte est amenée par un ange différent, et ils ne reviennent plus ensuite. Imaginez. Mais on ne connaît pas le nombre et on ne peut même pas encore une fois chercher à le connaître. On affirme simplement qu'ils sont nombreux et que seul Allah connaît le nombre de ses soldats. Les anges, ils ont une particularité, ce n'est pas celle des êtres humains qui, eux, peuvent désobéir. D'ailleurs, c'est un pied de nez, une réfutation sans pareil à ceux qui auraient pu dire Ouais, mais euh, Iblis, c'était un ange. Non C'est pas un ange. Même l'appellation d'ange déchu, ça n'existe pas, ange déchu. Un ange, par définition, on le voit ici, il est incapable. De désobéir à Allah. Les anges, il est noté, les anges n'ont pas en eux la volonté de désobéir et font tout ce qu'Allah leur ordonne. Ils sont soumis et dans leur nature, ils ne savent pas désobéir. Ils ne tendent pas vers le péché. Elle incense l'homme. Il peut faire du bien comme il peut faire du mal. Il peut obéir comme désobéir. Il a ce libre arbitre. L'ange, non. Il ne sait qu'obéir. Comment donc Shaitan aurait été un ange puisqu'il a désobéi Ça ne tient pas debout. Si c'était un ange, il ne peut pas être déchu. Puisqu'un ange, il fait que obéir. Il s'est passé quoi le haram Il s'est passé quoi la désobéissance Jamais. Il a été créé pour obéir. C'est un ange. D'accord C'est pour ça que c'est rapporté que lorsque l'homme, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, le, le, ici un frère ou une sœur, un musulman donc, fait des efforts, réforme son nefs, obéit à Allah, lutte, hein. les anges, wallahi, luttent notamment contre ses désirs, les anges ont envie de serrer la main à ce musulman-là. C'est rapporté. Pourquoi parce que, subhanallah, ils se disent, nous, nous sommes créés sur l'adoration, nous ne savons qu'obéir. Mais eux, ils ont le choix, et pourtant, ils ont choisi d'obéir, et ils forcent pour obéir. Rawakbar. Rawakbar. C'est vraiment qu'il y a du bien en ces créatures-là, tout de même. Même si l'homme est capable aussi du, du pire. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous améliore, euh, à l'extérieur et à l'intérieur surtout. Hein. Le plus important, c'est de réformer l'intérieur. Et ça ressortira à, à l'extérieur. Mais chercher à réformer que l'extérieur, euh, sans se soucier de l'intérieur, c'est c'est en vain. Déjà ici bas on sera dévoilé et Yom Kiyama, je vous en parle même pas. Voilà tout ça pour dire que Jétan donc ne pouvait pas être un ange parce qu'il a désobéi. L'homme on le sait il est capable du bon comme du mauvais. Il obéit, il désobéit mais les anges eux ne savent que suivre les ordres. Ils sont incapables de désobéir. Ils adorent Allah, ils adorent Allah, ils adorent Allah sans relâche et sans cesse. Les anges ont été chargés de certaines responsabilités telles que la transmission de la révélation comme ça a été le cas pour Djibril, faire descendre les gouttes de pluie, comme je vous l'ai dit, prendre l'âme des gens au moment de la mort, et bien d'autres choses encore. Il est obligatoire de croire en eux et d'affirmer les informations qui nous sont parvenues sur les anges dans le Coran et dans la Sunna. Dans les versets dans les hadiths, on a des informations sur les anges. On les affirme, ces informations-là, et on s'arrête ici. Et on ne cherche pas le comment, comme dans les noms et attributs d'Allah. On ne cherche pas le comment, on ne déforme pas, rien du tout. On dit, il y a des anges, le nom, Allah ou Alem. Ils ont des ailes Oui, ils ont des ailes. Comment sont leurs ailes Allah Alem. Et demander le comment euh, n'est pas une bonne chose. Et on s'arrête ici. Voilà pour les anges. Troisième point de croyance, les livres. La croyance aux livres consiste à croire et à déclarer véridique tout livre qu'Allah a descendu vers ses messagers à croire qu'ils sont la vérité et qu'ils sont la parole incréée d'Allah. C'est qu'Allah, c'est la parole d'Allah incréée. C'est un attribut d'Allah, d'ailleurs, la, la, la parole d'Allah, donc le Coran en lui-même. C'est la parole d'Allah. Lorsque tu récites le Coran, tu récites la parole d'Allah. Ce qui a été de même pour l'Injil, hein, par exemple, hein, ou la thawra, ou les psaumes, etc. Donc, on croit en ces livres de manière globale et générale. Ils sont la vérité, mais... Bien évidemment, on suit nous le Coran et on ne suit pas les livres qui ont précédé. Premièrement, parce qu'ils ont été abrogés par le Coran. Notez-le. Premièrement, on ne les suit plus parce qu'ils ont été abrogés par le Coran. Ils étaient véridiques en un temps, pour une jurisprudence précise, pour un peuple précis, avec un prophète précis. Alors que Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour toute l'humanité et le Coran est intemporel. Ça, c'est la chose à noter tout d'abord. Et deuxièmement... Parce que des livres révélés, il n'y a plus rien qu'il reste. Plus rien d'authentique. Reste que le Coran. Tout le reste a été falsifié. C'était important de le dire. Donc ces livres-là ont renfermé, et le Coran renferme encore aujourd'hui, tout ce dont l'humanité a besoin pour atteindre le bonheur. Quiconque se conforme à eux atteindra le succès et quiconque se détourne d'eux connaîtra la perte immense. C'est important de le préciser ici parce que ça pourrait être mal compris. Encore une fois, d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui explique parce que si on dit que les livres révélés renferment tout ce dont l'humanité a besoin pour atteindre le bonheur, quiconque se conforme à eux obtiendra le succès, quiconque se détourne deux connaîtra la perte immense, c'est du présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu suis, euh, Zerma, hein, la Thaura ou l'Injil, donc l'évangile, aujourd'hui, ils appellent ça le Nouveau Testament, la Bible, si tu suis ça, tu as le bonheur. C'est faux. Aujourd'hui, c'est seulement si tu suis le Coran que tu es sur la guidée. Il n'y a que le Coran, déjà, qui est en vigueur puisque les autres ont été Abrogé, je l'ai répété, mais de plus il n'y a plus rien d'authentique. Donc c'est important de le dire ça. On ne peut pas dire au présent quiconque les suit. Non. Quiconque les aurait suivis dans un autre temps lorsqu'ils étaient révélés à un certain prophète, que ce soit Moussa, que ce soit Issa, donc Moïse et Jésus, quiconque les aurait suivis en ce temps-là, lorsqu'ils étaient authentiques et en vigueur, oui, aurait atteint le bonheur et, 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 et le succès. Et quiconque s'en serait détourné à ce moment-là, euh, donc aurait connu la perte immense. Mais plus aujourd'hui, Aujourd'hui, non. Il ne s'agit que du Coran. Et c'est important de le, de, le, de le préciser. Très important, même. Ça pourrait être compris comme aujourd'hui, tu suis n'importe quel livre révélé, mais en vérité, ils ne sont même plus authentiques. De la Bible, il reste peut-être 3% de choses authentiques. Tout le reste a été falsifié. Et donc, on pourrait laisser penser qu'aujourd'hui, tu suis ça et c'est bon, Alhamdulillah, tu vas vers la guidée. C'est faux, c'est incorrect. Et même parmi donc ces livres révélés avant le Coran, il y a eu l'Injil. La thawra, Zabour, et la dernière révélation qui fut révélée donc à Mohammed, le Coran. Le Coran, c'est le miracle éternel qu'Allah descendit à Mohammed, dans lequel il déclare se charger de le préserver, c'est-à-dire le Coran, et de le protéger de tout plagiat et de toute déformation. Jamais le Coran sera plagié, déformé, falsifié, comme ça a pu être le cas pour les autres livres. Allah se porte garant du Coran, et il ne changera jamais, et il est valable jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est la dernière révélation, la dernière législation. Alors qu'avant, il avait confié la tâche de préserver les textes aux moines et aux rabbins. Le Coran se pose donc en autorité par rapport aux livres précédents qu'il est venu abroger, comme je voulais <coughs> expliquer. Voilà ce qu'il y a à dire sur ces livres-là. Quatrième point de croyance la croyance en ces messagers. La croyance aux messagers signifie croire et attester fermement qu'Allah a élevé des individus parmi les hommes, en les faisant prophètes et messagers. Alors, beaucoup ont été prophètes, tous n'ont pas été messagers. Un messager est forcément prophète, un prophète n'est pas forcément messager. Qu'est-ce qu'un prophète Qu'est-ce qu'un messager Est-ce que vous savez Qu'est-ce qu'un prophète Qu'est-ce qu'un messager Et j'ai dit quoi Tout prophète n'est pas forcément messager, mais tout messager est forcément prophète. Le messager, en plus d'être prophète, il reçoit un message à diffuser. Le prophète n'a pas forcément de message à diffuser, tout simplement. Le prophète, il reçoit quelque chose, il est élu, élevé, mais il n'a pas forcément un message à diffuser, d'accord Et le messager, lui, il a un message à diffuser aux gens et il est forcément prophète. Il faut pas être messager quand on n'a pas été élevé au rang de prophète, c'est logique. Donc on croit et on atteste qu'Allah a élevé des individus parmi les hommes, voilà, en les faisant prophètes et messagers ou juste euh, prophètes. Voilà, des gens qui ont été élus, des gens qui ont été purifiés, des gens pieux, des gens, pour certains, qui ont eu euh, euh, des facilités dans certaines choses, qui ont réussi des sortes de pouvoirs, qui ont fait des miracles, donc ce sont ces gens qui ont dirigé les gens vers la vérité, notamment les messagers surtout, et qui les ont appelés à sortir des ténèbres de l'égarement, du shirk, de la désobéissance, pour entrer dans la lumière de la guidée, celle du tawhid et de l'obéissance à Allah. Voilà, on pense notamment à nous, on pense notamment à Ibrahim, à Moussa et d'autres. Les messagers ont été chargés de transmettre les lois qui leur furent envoyées. Et ils transmirent ce qu'ils furent chargés de transmettre de la meilleure des manières, de façon exhaustive. C'est-à-dire qu'ils ont été, quand on dit de façon exhaustive, ils ont été euh, brefs, concis, ils ont été droits au but, ils ont expliqué les choses et ils ont transmis ça de la meilleure manière. C'est pour ça, que quand on voit des gens aujourd'hui extrêmement pervers, voire des coffards même, venir critiquer la manière euh, dont aurait été. Euh, Transmise les choses, je, je pense notamment hein, aux modernistes. Je vous dis, c'est vraiment par crainte d'Allah qu'on se retient de faire le takfir de ces gens-là. Mais vous savez, tous les nouveaux prêcheurs à là, tout ça, quand ils viennent dire il faut réviser le Coran, il faut revoir euh, ce qui a été transmis, etc., ce n'est plus applicable, ils sous-entendraient, notamment, hein, pour notre législation, que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait pas bien fait le travail, aurait omis des choses. Alors, eux, parmi les innovateurs, déjà, les innovateurs ou les dits modernistes, là, hein, eux, c'est les pires. Mais chez les innovateurs, on entend souvent ça. Oui, ça a été fait comme ça, mais aujourd'hui, ça va changer. Tu sous-entends se quoi Que ça n'a pas été bien fait, que le travail n'a pas été bien fait Que Mohamed, il est parti, il est mort avant d'avoir achevé son travail, son message Non. Tout est parfait. Tout est clair. Il n'y a rien à réinterpréter. Il n'y a rien à rajouter. Voilà comment nous, on pense. Et regardez l'abomini de ce que ils pensent. C'est terrible. C'est terrible. Et ils ont fait ça de la meilleure, euh, la meilleure des manières. Ils ont transmis les lois. D'accord Et ils l'ont fait de la meilleure façon, sans ne rien nommer. 25 des messagers, parce que les messagers, il peut y en avoir bien plus. On l'avait expliqué dans le, le, la Aqida Sahiha, la croyance authentique en 200 questions-réponses. La première série de cours que j'ai pu faire, on a commencé ça fin 2016. Alhamdulillah. Je débutais simplement dans, dans ah ouais j'avais entamé avec ce livre-là parce que c'est très important. On avait expliqué en vérité qu'ils sont beaucoup certains en connaissent leurs noms d'autres on les ignore mais on atteste de manière générale qu'il y a des messagers et on y croit. Donc 25 ont été cités dans le Coran el kerim dont 18 dans Sura el-An'am. Euh, parmi ces messagers donc qui furent envoyés par Allah figure Adam on le connaît Adam hein, père de l'humanité Nuh Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, wasallam. Allah a également envoyé des messagers qu'il n'a pas mentionnés, mais nous y croyons. Nous devons toutefois croire en eux d'une manière générale, d'une manière générale. Donc pour Adam, hein, il est connu, c'est le premier, le premier homme. Il a été donc prophète. Le premier messager, c'est Noé. Noé, donc Noé, qui a prêché à son peuple, et on connaît son histoire, hein, il a beaucoup lutté et il a prêché pendant 950 années. Ibrahim aussi, tu as lutté avec son peuple. Abraham, Moussa, Moïse, Isa et Mohammed, donc notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les plus connus hein, d'entre eux. Et il y en a d'autres qui sont mentionnés dans le, dans le Coran. Cinquième point de croyance, c'est celle au jour dernier. Yom al -qiyama. La croyance au jour dernier nécessite de croire et d'affirmer toute information, une fois de plus, présente dans le Coran et dans la Sunna. Pas plus, pas moins. À propos de ce qui vient juste après la mort. Dès lors qu'on est au stade de la mort, c'est plus la dunya. C'est dans l'étape globale du jour dernier. Même si on n'est pas encore au jour du jugement, mais c'est l'au-delà. En fait, quand on dit la croyance au jour dernier, c'est croire à l'au-delà. Croire à l'au-delà. Dès que vient la mort. La dunya, c'est la naissance, c'est le vécu et c'est la mort. Alors tout ça, c'est la dunya. À un moment donné, la dunya, ça s'arrête et on arrive dans un monde intermédiaire appelé le Barzar. C'est le monde de la tombe. Puis, effectivement, elle erre, l'au-delà, et Yomankiyama, etc. Mais la croyance au jour dernier, c'est de croire de manière globale, euh, tout, tout ce qui vient après la mort. Donc, ceci inclut le châtiment ou la félicité, c'est-à-dire les délices de la tombe. Pourtant, on n'est pas encore au jour du jugement. Mais ça fait partie de la croyance. On croit au châtiment ou aux délices de la tombe. On croit en la résurrection des tombes au moment où Allah va ordonner à l'ange de souffler dans la trompe à la fin des temps pour rassembler les gens. Et on croit aussi au rassemblement donc des gens devant Allah. Tous les êtres humains. Tous. Tous. Hommes et djinns seront rassemblés devant Allah Yom al Qiyama. Des milliards et des milliards et des milliards du début à la fin de la création. Ça, on y croit et on croit que ce sera à un même endroit. Et qui seront tous questionnés. Voilà. Ça inclut aussi cette croyance, évidemment, la rétribution des actes de chacun, bon et mauvais, la pesée des actions sur une balance. Comment sera la balance, Allahu Il y aura une balance. La traversée du pont qui sera placée au-dessus de l'enfer, le Sirat, le pont sérap. Ce pont qui donc sera placé au-dessus de l'enfer. Certains vont tomber en enfer à ce moment-là, d'autres vont passer, alhamdoulilah, et être sauvés. C'est pour ça qu'il a été mentionné dans un texte authentique que n'y a pas une créature qui passera pas par l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'on entrera forcément en enfer en tant que croyant, ou les et qu'Allah nous en préserve, mais qu'on passera au-dessus. C'est le sens, même. Pour ceux qui l'ont pas compris, ce texte-là, nul ne sera épargné de passer par l'enfer. C'est dans ce sens où on va passer au-dessus. Imaginez la terreur. Toi, moi, on va passer un jour, mon frère, ma soeur, au-dessus de l'enfer. Est-ce qu'on va tomber Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse passer le pont Sera de la plus rapide manière. Ce sera en fonction des œuvres. Hein. Donc, cette, cette croyance-là, vraiment, elle englobe beaucoup de choses. Hein. La mort, la tombe, le châtiment, les délices, la résurrection, le rassemblement, le jugement, la rétribution, la hein, traversée du pont. Et bien sûr, ensuite, la foi aussi au paradis, qu'Allah a préparé pour ceux qui ont cru en lui et accompli les bonnes actions, mais aussi l'enfer, qu'Allah a réservé à ceux qui ont mécru et ont accompli des Mauvaises actions, ceux qui lui ont désobéi. Le paradis, l'enfer, donc, ont tous, ont tous deux ont été créés et existent actuellement. On croit en cela. Vous voyez La foi au jour dernier, ça englobe toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et effectivement, euh, la, la Jehen et, et le Jenna, l'enfer le et le paradis, donc, ont été créés. Ce sont déjà des créations existantes. Actuellement, il y a un paradis et il y a un enfer. Ils sont vides pour l'instant, puisque euh, le jugement est attendu afin que les créatures, les différentes créatures, peuplent ces deux lieux, qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Mais ça existe. Il y a actuellement euh, le paradis euh, et l'enfer. Et pour ceux qui se posent la question, euh, j'anticipe, mais c'est possible et important de le préciser aussi, on entend dans certains textes authentiques parfois... Un homme était au paradis comme ceci, une femme comme cela, et un était châtié ici, et les hommes qui sont comme ça en enfer, et des détails et des détails. Comment, puisque le jugement n'est pas arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informait de ces choses-là Contradiction Non, ça s'explique. Les savants l'ont expliqué. C'est simplement des informations du futur qu'Allah a envoyé, a révélées à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si ce n'est pas encore le cas actuellement. Tout simplement, tout simplement. Cinquième point. Cinquième point. Plutôt s'il y a une erreur d'imprimer. De, de, cinquième point, c'était la croyance au jeu dernier. Sixième point. La croyance au qadar. El qadar. Le décret divin, la prédestination, le destin. Comme disent certains, mais ce terme-là, en vérité, c'est pas rapporté en islam, le mektoub, comme ils disent. Mektoub ça, si les Maghrébins disent ça, le mektoub. Mektoub ceci, Kulshim Maktoub, etc. Ça, c'est pas rapportant à l'islam. Ça, c'est plus une tradition, on passe pas ça. Non, il est question de destin, de qadar, pas de mektoub. De qadar. Inch'Allah, les termes ont leur importance. Et revenez aux, aux belles expressions islamiques ce qui est à notre religion et de laisser le reste. Inch'Allah, c'est mieux. Donc, ce décret divin. On doit y croire, et ça consiste à croire qu'Allah a décrété tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. On m'a posé une question récemment. Est-ce que la place de chacun au paradis ou en enfer est déjà écrite Est-ce que notre jugement, elle est déjà écrit Est-ce que si, est ce que tout, 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 du début de la création jusqu'à la fin, et paradis enfer, on l'a vu, c'est une création. Ça en fait partie et c'est déjà créé, en plus. Hein Donc ces choses-là sont aussi déjà connues euh, d'Allah. Du début à la fin. La vie de chacun, la mort de chacun, le châtiment ou le délice dans la tombe de chacun, le rassemblement, le jugement de chacun, et ensuite l'entrée dans la demeure définitive, tout cela est connu d'Allah et déjà décrété. Allah a décrété, prédestiné tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Ceci comprend quatre principes. Premièrement, le fait qu'Allah a la connaissance infinie de tout ce qui va se passer. Deuxièmement, le fait qu'Allah a écrit tout ce qui a été décrété. Donc Allah, il a la connaissance, Allah, il a l'écriture. Le fait aussi qu'Allah a voulu euh, qu'il y ait lieu tout ce qui se déroule, la volonté. Troisième point, c'est la volonté. Et aussi le fait qu'Allah a créé tout ce qui existe conformément à sa connaissance infinie, son écrit et sa volonté. Ça, c'est mentionné notamment dans l'explication de le charme des 40 hadiths d'Imam Nawawi pour les Abdel Abdelmuhsin, Al-Abbad, Al-Badr. Et je crois que je l'avais déjà expliqué dans d'autres cours, peut-être dans des audios aussi sur Qadar. Donc notez ces, ces points-là, c'est important. Croyance au destin, comme je l'ai dit, qu'il soit bon ou mauvais, mais c'est mal traduit, qu'il soit facile à supporter ou difficile en termes d'épreuves, tout cela a été décrété par Allah. Qu'est-ce que euh, le décret et d'où il part et où il s'arrête, du début à la fin totalement. Et ça comporte quoi Quatre principes. Quatre principes fondamentaux. Premier point, c'est la connaissance. Allah, il a la connaissance. Infini, sans limite, de tout ce qui s'est passé, se passe, va se passer ou aurait pu se passer. C'est pour ça que c'est important. Je m'arrête aussi sur ce point-là. Je vous le répète, important de comprendre le hadith du Doha. L'invocation peut quoi Seule l'invocation pourrait repousser le destin. C'est pas modifier le destin. C'est simplement qu'une chose dans ton décret, dans ton destin, devait t'arriver effectivement, aurait pu t'arriver en vérité, mais Allah t'a prédestiné l'intention, la motivation. Allah t'a insufflé, Hamdulillah d'une manière ou d'une autre, hein ton invocation. Allah t'a facilité, t'a décrété le fait que tu allais invoquer. Et ton invocation a repoussé, par exemple, ce mal qui devait te toucher. C'est dans ce sens-là qu'ont expliqué les savants le hadith qui dit, qui stipule, Seule l'invocation peut repousser le destin. Ça n'a pas modifié le destin en vérité. C'était déjà écrit dans ton destin. Il y avait ça qui aurait pu t'arriver, mais que tu allais invoquer. Allah t'a inspiré de l'invoquer. Et ton invocation a, a, a fait basculer les choses. Mais ce, ce basculement, ce changement était prédestiné. Tu ne changes rien en vérité. Ibn Abbas, il disait Tout est prédestiné même quand tu poses ta main sur ta joue. Le cours que je vous fais ici à 7 heure-ci, vous qui l'écoutez, tout, 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 tout. Un clean monde, s'il c'est prédestiné. Comment le doit, il aurait pas été prédestiné. Tu invoques et il y a un changement, ça, ça provoque quelque chose, effectivement. Mais ça, ça a été décrété. Allah il a une connaissance infinie, je répète, de tout ce qui s'est passé, se passe, va se passer ou aurait pu se passer. Il, il connaît tout, toute chose, subhanahu wa taala. Donc Allah il a la connaissance. Il a aussi l'écriture. Alors il a écrit tout ce qui a été décrété. C'est consigné dans la tablette gardée. Hein Alors il a créé la plume et lui a ordonné d'écrire. Alors là, il a la volonté, la volonté qui a lieu tout ce qui se déroule. Euh, ceux qui n'ont aucune science, Alors, chez les ce c'est pas étonnant. Mais chez des musulmans, c'est pour ça que c'est important de reprendre les bases. Vous voyez que c'est pas inutile ce genre de livre chez des musulmans. Quand on voit qu'ils disent euh, euh, cette chose-là n'est pas euh, n'est pas juste. C'est du coup, en vérité, c'est Allah qui l'a voulu. Ou bien, quand il se passe des, des injustices, effectivement, les hommes se montrent injustes. Mais ça fait partie de la volonté d'Allah. De laisser le libre-arbitre aux hommes qui se comportent bien ou mal pour qu'ils soient jugés. Mais ça fait partie de la volonté d'Allah. Comme on a déjà expliqué, Allah, il a deux volontés. Irada kauniyya, wa irada sharia. Je répète, irada kauniyya, wa irada sharia. C'est-à-dire la volonté universelle et la volonté juridique. La volonté universelle, c'est qu'Allah a voulu, il a la volonté, il a voulu qu'il y ait lieu tout ce qui se déroule. Oui, un enfant violé, Allah l'a voulu. Oh, il y en a ils sont choqués quand on dit ça. C'est terrible. Comment tu peux attribuer ça, à, comme ils disent certains chrétiens ou des, des déistes ou des musulmans complètement ignares. Comment tu peux dire ça, c'est horrible. Comment Allah l'aurait voulu. Le corona, là récemment hein, pseudo puisqu'on va pas faire de polémique, mais j'y crois plus un instant. <laughs> oui, euh, quand c'était euh, pandémie, euh, voilà tout tout ça, bref, et qu'il y avait des oh, c'est terrible, oh c'est terrible, ah là, là. Et on, on leur a dit aux gens, pas de c'est Allah qui a voulu ça. Comment Allah, il aurait voulu une chose comme ça euh, Pour eux, euh, c'est... Encore une fois, ça, c'est chez les chrétiens. Hein, c est, c est, ça, c'est du soufisme bouddhiste, christianisme. Ce que vous voulez, c'est une soupe infecte. Hein, mais c'est pas de l'islam. Pour eux, tout ce qui satisfait leur nef, c'est Dieu qui a voulu, comme ils disent. Dieu a voulu. Dieu n'est qu'amour. là il a de la miséricorde, mais il est aussi dur en châtiment, en fait. C'est comme ça que notre Seigneur, et qui s'est nommé lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est juste. Hein et donc, euh, quand eux, ils parlent, c'est « Non, Dieu n'est qu'amour, euh, Dieu n'est que bien, euh, que lumière, euh, voilà. » C'est que ce qui satisfait leur nefs. Donc, a ils les maladies, les pandémies, c'est Dieu, il n'a pas voulu. Non, Allah n'a pas voulu ça. Il y a euh, quelqu'un qui se fait agresser, Allah, il n'a pas voulu. Donc, il y a des choses, imaginez comme c'est grave cette parole, c'est du couffre. Il y a des choses dans cet univers qu'Allah a créé, là où Allah n'a pas la connaissance même, c'est ce que ça sous-entend, et il n'a pas eu la volonté d'eux. C'est-à-dire quoi on donnerait ici une forme d'impuissance au Seigneur des mondes. Oh, Akbar. Imaginez le degré d'ignorance et d'irrespect face au Créateur. Imaginez. Imaginez, je répète, il y a des choses dans ce bas monde qu'Allah n'aurait pas voulu. Donc il n'aurait pas connaissance de certaines choses. incliné elle est folle. Hein, il a tout créé, mais il ignore des choses. Allah. Subhanallah, comme un homme, finalement, on ignorerait des choses. Parce que l'homme est imparfait et faible. Notre Seigneur, il, il est parfait. C'est le divin. Il ne peut pas avoir une faille dans la connaissance, c'est impossible. Et puis, il aurait un manque de volonté sur certaines choses. L'homme, il agresse cette femme dans une ruelle, il la viole, le bébé a été tué, jeté à la Seine, et il est pandémie, il est ci, il est ça non, ça, non, ça, ça ne leur plaît pas, donc Dieu n'a pas voulu ça. Si, 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 Allah, il a voulu tout ça. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse en tout cela. Qu'on la connaisse ou qu'on l'ignore, mais il y a une sagesse. Allah, il a... La connaissance de tout ce qui se passe. Il a écrit tout ce qui se passe. Il a voulu tout ce qui se passe. Mais comme je vous l'ai expliqué, et je ne perds pas le fil, non Voilà. La volonté universelle, c'est ce que je viens de vous expliquer. Allah, il a voulu tout. Le bon comme le mauvais. Allah, il a voulu que le Shaitan et Rajim, il existe. Et qu'il tente les hommes. Et qu'il emmène des gens en enfer. Les gens qui ne vont pas le suivre. Les gens qui n'ont vont pas lui obéir. Allah, il a voulu ça. Il a voulu que l'homme se montre injuste et commette des atrocités pour une sagesse. C'est la volonté universelle. Il n'y a pas une chose qui existe sans qu'il y ait la volonté d'Allah de manière sous-jacente. Mais, Walakin, n'oublie pas, Irada Shari'a. C'est la volonté juridique. Ça, c'est Allah a voulu ce qu'il aime. Allah, il a voulu, il t'a demandé que tu l'adores, que tu pries, que tu te comportes bien, que l'homme fasse le rire. Pour qu'il accède au paradis, ça c'est ce qu'Allah il veut, dans le sens qu'il attend de nous, comprenez bien. En fait, les gens, ce qui manque de science, effectivement ils prennent pas de cours, ils tendent pas l'oreille, donc ils restent bornés. On leur dit, et je vous donne un exemple, vraiment c'est dur. Hein. Ce bébé a été violé, découpé, et jeté dans la Seine. Allah il l'a voulu. Ah oh, c'est terrible, comment tu peux dire ça Et ça les choque, voyez Parce qu'ils savent pas la différence entre eradawnia ou sharia Ils font pas la différence entre une volonté universelle. C'est-à-dire que rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah, mais c'est pas une chose qu'Allah aime. Shaitan, Allah il l'aime pas. L'homme qui a violé, et tué ce bébé, Allah il l'aime pas. Il va le châtier durement s'il se repent pas. Hey, ouais. parce qu'Allah pardonne tous les péchés. C'est aussi les gens qui ont du mal à comprendre. Comment Allah peut accepter le repentir d'une personne pareille Si une personne se repent sincèrement, était dans l'ignorance, et si son cœur n'a pas été scellé, dès lors que le cœur il est scellé, c'est une autre histoire. Mais dès lors que son cœur n'a pas été scellé, toute personne peut revenir. al c'est Parenthèse, on a beaucoup parlé d'empêcher guérison. Des cours que je dois reprendre, notamment puisqu'on me les a réclamés. Bref. Mais, Allah n'aime pas ces choses-là. Mais il les a voulu. Il y a une sagesse en cela, qui nous dépasse souvent. J'allais dire parfois même souvent. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter se soumettre. D'accord Mais de l'autre côté, il y, a une, il y a cette volonté. Allah veut, Allah veut le bien. Mais les gens n'ont pas fait la différence entre Allah veut et Allah veut. Hein Ils ont tout mis dans le même sac. Ils n'ont pas fait la différence entre ces deux volontés, la volonté universelle et la volonté juridique. Donc quand on leur dit ça, bah, ils nous font passer pour les satanistes. Comment ça euh, Des gens qui meurent, une hécatombe, Allah il a voulu ça. Et cet enfant il se fait tuer, tu crois que c'est bien, et Allah il veut ça. Oui. mais pas d'une manière qu'Allah aime cette chose-là. Quand les gens s'entretuent, quand la fornication se répand, quand les maladies... On n'aime pas ces choses-là. On n'a pas voulu ça pour l'homme. Mais l'homme, il est profondément injuste et c'est lui qui s'est fourvoyé dans ces égarements-là. Donc Allah, il a voulu d'une volonté universelle. Mais ce qu'il a voulu pour nous, dans le sens qu'il aime, c'est Irada, Sharia, la volonté juridique, c'est qu'on se tienne droit, qu'on se comporte bien, qu'on l'adore, qu'on fasse du rire autour de nous, etc. Etc. Allah, il veut que tu pries. Allah, il veut que si et ça. Donc Allah veut tout de manière générale. Allah a voulu. Il l'a voulu, il l'a décrété, ma soeur, que tu te dévoiles et que tu partes en boîte de nuit forniquée, etc. Et que tu attrapes le sida, et oui, je vais loin, mais comme ça, ça choque les gens, hein, ils ont besoin de ça. Voilà, et que tu meurs comme ça, très jeune. Allah, il a voulu ça, oui, d'une volonté universelle. Mais surtout, Allah, il, a, il veut, et il en a guidé certains, et il a voulu que les femmes se voilent et restent auprès d'un maharam chez elles, et elles prient, elles jeûnent et s'écartent de la zina. Ouais? Voilà, ce qu'Allah a voulu dans le sens qu'il attend de nous et ce qu'il aime. D'accord C'est clair pour ces, cette explication sur les deux volontés. Donc, il y avait, je disais, la connaissance, l'écriture, la volonté. On l'a suffisamment expliqué. Et enfin, la création. Allah, il a la connaissance, l'écriture, la volonté et la création. C'est-à-dire qu'Allah il a créé tout ce qui existe conformément à sa connaissance infinie, son écrit, sa volonté. C'est sous-jacent. Sa connaissance, son écrit et sa volonté sont reliés à sa création. Ce qu'il a créé, il en a connaissance. Ce qu'il a créé, il l'a fait noter dans la tablette préservée et ce qu'il a créé, il l'a voulu. Logiquement, il ne crée rien sans volonté. C'est pas au hasard, sans but, sans sagesse. Voilà. Est-ce que vous pensez Pourtant, c'est un point basique hein, dans la croyance que beaucoup de musulmans, lorsqu'on les interroge sur les piliers de l'hymen qu'ils citent euh, du tac au tac, pour ceux qui les citent du tac au tac déjà, <laughs> est-ce que vous pensez qu'ils étaient au courant de tout ça Je dis ça sans prétention, hein, je dis, est-ce que vous pensez Moi, je pense pas, moi. Allez demander à un musulman qui a un minimum de science, mini-minimum, de nous citer les, les piliers de la foi. Ah, il va te dire, ouais, c'est croire en Allah, en ses, hein, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, euh, au jour dernier et puis au destin. Mais explique-moi un peu plus. Est-ce que vous pensez que sur notamment ce point de destin, ils avaient ces informations-là Je ne pense pas. C'est pour ça que c'est important de reprendre les bases. Beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses, notamment sur ce point de, de décret divin. Et c'est malheureux parce qu'on n'en est qu'au début d'un livre sur les bases de l'islam. Comment voulez-vous aller plus loin Comment voulez-vous qu'on soit une communauté de forts Comment voulez-vous C'est normal qu'on se fait terrifier par le shaitan et les kofar. On n'a même pas les bases de l'hymen. Donc ce cours, il était important. Et le prophète Mohammed, il a dit, Rien de ce qui t'a manqué ne saurait t'atteindre, et rien de ce qui t'a atteint ne saurait te manquer. C'est très clair. Hein? Euh, ce qui doit te toucher, te touchera, et n'aurait jamais pu te manquer, mais ce qui t'a manqué, ne devait jamais te toucher. Donc, aucun regret, aucune frustration, apaisse toi en te rappelant du destin. C'est d'ailleurs ce que nous, nous a conseillé de faire, hein. Anti-frustration, anti-dépression, c'est quoi la croyance au destin? Ça apaise, Wa alhamdulillah. Parce que tu sais que tu n'aurais rien pu changer, tu sais qu'il y a une sagesse. C'est comme ça que parle le croyant et pense le croyant, ressent le croyant lorsqu'il y a des choses qui lui sont désagréables. Il est donc obligatoire de croire en ces quatre niveaux du décret. Tu te rappelles toujours, dans le destin, Allah, il a connaissance de cela, Allah il a écrit cela Allah il a voulu cela et Allah a créé tout cela Alhamdoulilah c'est vraiment un médicament pour le cœur, pour la dépression ne prenez pas de médicaments, croyez au destin c'est pour ça que j'avais fait un audio la dépression résulte d'un manque de théorie, en vérité, dans le cœur. les gens ils me disent j'ai des sales pensées et je suis comme si, et je suis malheureux et je suis mal, et je suis angoissé, ou j'ai si ça je déprime, tu connais quoi du théorie ah peu de choses, ah bah oui, si tu crois même pas au pilier de la foi, des bases des bases, tu peux pas aller loin c'est pas possible. Ce sera comme une feuille au vent. Donc, il est obligatoire de croire en ces quatre niveaux du décret divin et de croire que tout ce qu'Allah veut vient à exister hein, et que tout ce qu'il ne veut pas ne viendra jamais à exister. Voilà. Et ça, c'est un remède, je le dis, je le répète, pour beaucoup, beaucoup de maux et de troubles. Alhamdulillah, Wallahu a'lam. On va s'arrêter ici pour ce cours, puisqu'on a terminé ce chapitre. Je ne pas en ratamé un. Le temps ici euh, est trop court pour. Et ce sera le chapitre 8, l'hymen. La foi, donc, c'est quoi? C'est quoi, la foi? Une fois qu'on a dit tout ça, on a cité les piliers de l'hymen, mais la foi, c'est quoi, concrètement? C'est la parole, l'action et la croyance. C'est une croyance du cœur, la foi, effectivement, mais la foi, c'est pas dans le cœur, comme disent les gens. Oui, la foi, c'est que dans le cœur. Mais sur la langue, où elle ou la foi? Dans les actions, où elle ou la foi? Non, non, non. La foi, c'est une croyance. C'est tout ce qu'on a expliqué ici. Tu dois croire en cela. Maintenant, c'est dans ton cœur. ton esprit dans ton cœur? Ouais. Tu parles comme cela et tu agis comme cela, conformément à cette croyance. Sinon, tu n'as pas la foi. Si tu crois simplement, tant t'as prouvé déjà ils ont que cette croyance-là est complète. Tout ce qu'on a expliqué. Tant t'as prouvé que la croyance est complète. Mais que tes paroles contredisent cette croyance ou que tes actions contredisent, tu n'as pas la foi. En tout cas, elle est, elle est brisée, elle est très entachée. D'accord Donc, la, la foi, c'est chez les gens de la sunna, chez les... Les Jermi toucher les les Morji évidemment c'est que une croyance et puis on dit ce qu'on veut on fait ce qu'on veut voilà ça facilite grandement leur passion cette chose là mais chez les gens de la sunna, elle y mène la foi une croyance du cœur je répète une parole sur la langue et euh, une démonstration dans les actions une démonstration dans les actions voilà ça comporte trois niveaux toutes trois choses les... après il y a les niveaux effectivement comme on sait il y a le les, les niveaux de la dans la religion qu'on confonde pas hein que ce soit l'islam la soumission elle imène la foi elle l'excellence comme on a on a pu l'expliquer donc le mot niveau hein qui soit pas mal mal compris c'est pas les mêmes niveaux c'est plutôt euh, trois choses non pas des niveaux parce que des niveaux c'est niveau 1 niveau 2 niveau 3 tu dois être déjà au niveau 2 pour passer au niveau 3 tu es déjà dans imène pour accéder à l'ihsan et il te faut au moins l'islam pour accéder à l'imène ouais que là non, la foi c'est pas d'abord une croyance et si tu peux la parole et si tu peux les actes. Non, 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 c'est pas ça. C'est globalement en même temps. Je me repens sur la parole de niveau. En même temps, ça fait bloc croyance, parole, action. Ouais. Je m'arrête ici une sur cette parole. On reprendra donc au prochain cours sur ce chapitre. Wa subhanahu wa a'lam wa subhanaka allahumma wabi Ash'hadu an la ila ila anta. astaghfiruka wa وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته